Voici un concentré de bêtises garanti sans Covid-19. Ok, donc je ne vais pas trop toucher à mon téléphone parce que j'ai qu'à aller avec des bananes. T'as calé ton portable avec quoi? Des bananes. Maman, 4 bananes. Non, il n'y a pas besoin d'être 4, 2, c'est suffisant. Avec 2, c'est suffisant, ok? Oui, c'est suffisant. Ma copine, j'étais à côté d'elle, je dormais. Et puis, je parlais pendant mon rêve, elle m'a dit ça, que ouais, je disais, ouais, je suis le plus riche du monde, de toutes les manières, j'ai toutes les femmes du monde. Et vous savez comment je me suis réveillé? Je me suis réveillé, le lit était inondé d'eau. Tu veux l'arriver avec un chauffeur, elle a fait « Lève-la, Issa, alors !» J'avoue, on entend les grillons. Son micro ouvert et quelqu'un qui habite pas loin, tu sais, d'un petit champ, d'un truc, et Alicia. On entend les grillons. C'est Alicia. Trahison. N'importe quoi. Avec ce rideau là, c'est Alicia. Je suis en train de regarder Hubert et son cocktail, mais il est en train de mettre le feu. Mais la question que je me pose, c'est qui est-ce qui va boire ça après? Overman, c'est une fois par an. Une fois par an, quoi, hein? Voilà. Une fois par an, je trempe mon biscuit dans la chatrou miel de ma copine. Chatrou miel. Ça cave. Deux fois par an, en fait. Ah, il dit quoi? Une fois par an, seulement que je vais faire l'amour. Il fait pas comme t'as dit, Nicole, hein, t'as vu? Il a bien dit faire l'amour. Charger les sentiments, et ton temps, c'est pas mon temps. Alors, bébé, dis-moi si on continue, ou tout ça est maintenant. Oh, tous les jours, tu fous la pression, vous voulez qu'il y ait un temps ou des ans. Alors, est-ce que vous avez de quoi noter? Je vous écoute. Alors, il y a un 0 dans le numéro, il y a un 5, et puis il y a un 6. Après ça, il y a un 5. Non, un 6. A few moments later. Bon, alors, 0587. Mais pourquoi tu te fâches? Mais pourquoi je te parle calmement, tu vois, tu t'en vas déjà monter. Dans cette émission, les confinés de Mada qui sont. Ben, les confinés, ils sont tous là, en fait. Hein. Et puis on vous attend. Ah, mais si je rêve comment on oublie la Guadeloupe! Non, mais attends! C'était pas les confinés des Antilles à la base. Désolé, les gens. Les confinés des Antilles. Je n'ai pas pris son numéro, je finirai solo. Vous ne croyez pas, c'est pas grave. Moi, en tout cas, je sais que j'ai une copine. Parce que Hugo, tu ne peux pas dire que j'étais déjà raconté cette histoire-là plusieurs fois. Tu sais comment je l'ai rencontré. Mais chaque fois, c'est une histoire différente. Vas-y, redis-moi. Non. Il y a des choses qui ne se partagent pas. Les odeurs corporelles, les fluides corporels et l'orgasme. Oh, champion, mon frère. Comment va? Est-ce que tu m'entends, frangin? Tu es où là comme ça, Charlie? On dirait que tu es en Chine. T'es où? Qu'est-ce que tu utilises pour que ça fasse de la fumée comme ça? La glace carbonique? Oui, du gaz carbonique. Okay. Là, c'est quelle voyance! Quel don! Comment il a su? Ils sont à 20h55, c'est tape dans le mille. 55. Tu piles ça délicatement, comme si tu faisais une petite purée. Comme ça, mystique. Rémi, j'adore tes expressions. Tu fais une purée mystique, une petite purée mystique. Il s'appelle comment ce cocktail? Le premier nom, c'était Cocotail. Et pourquoi pas l'appeler les confinés, carrément confinés? On peut l'appeler Coco Confiné aussi. Je lis dans les boules. Ça, je l'ai dit dès le début. Donc, tu lis dans les boules. On veut pas voir tes boules, Overman. Garde. Non, mais... Vanessa, est-ce que tu fais des rêves un peu plus étranges dans cette période de confinement? J'ai fait un rêve un peu bizarre. Ben, j'ai rêvé que je faisais une orgie. T'as dit quoi? J'ai pas bien compris. Je suis sûr que Bobby il fait du sport et qu'il s'en sort très bien au lit. Hein. Ça veut rien dire. Moi je sais pas. Sur Google pour vérifier. Attends, ça veut dire que si je tape Bobby plus Coco sur Google, je peux tomber sur des trucs compromettants. Bobby, j'ai tapé Bobby Coco dans Google et tu as créé une page Facebook pour ton Coco. Par rapport à l'homme de 35 ans et la femme de 65 ans, il y a Charles qui nous propose
Pokémon Go. Oh. Voilà, j'ai trouvé ça très drôle. Oh. Pokémon Go. Vous êtes trop, hey, vous êtes violents là. Il y a des petits qui nous écoutent. Énergie. Numéro 1. Sur les cons, finés.